on passe trop de temps dans la congestion routière. On vit aussi de l'insécurité en bicyclette et on attend toujours trop longtemps l'autobus et le métro. Et je le vis comme vous. Ma solution, c'est la solution du Parti québécois, le grand déblocage. Dans Hochelaga-Maisonneuve, le grand déblocage, c'est quoi? C'est le SRP P9 qui va descendre jusqu'à Notre-Dame pour aller jusqu'au centre-ville. C'est aussi un tram de l'Est qui partirait du métro Anjou et Radisson et qui s'en irait jusqu'à la pointe de l'île. C'est aussi une station de métro P9 Nord qui relierait le SRB. Pour Montréal, le grand déblocage, c'est la ligne bleue réalisée, c'est la ligne rose qu'on va appuyer. C'est aussi l'étude du prolongement du métro de la ligne orange et de la ligne jaune. On veut retirer 10 % des voitures qui roulent dans la grande région de Montréal d'ici 2025. On veut construire 175 nouvelles stations de métro, de tram et de bus. On veut réduire de 280 000 les tonnes de GES pour chaque année. On veut électrifier 475 000 déplacements. On veut mettre en place un incitatif de covoiturage de 4 $ par voyage pour qu'enfin, on puisse passer à l'heure de pointe avec moins de voitures, avec des stationnements incitatifs, avec aussi des voies réservées sur nos rues. Ça, c'est un vrai plan. Allez voir les détails. Il y a beaucoup plus, comme par exemple, sur le boulevard Taschereau à Longueuil, d'avoir justement un tram, d'avoir aussi l'amélioration des trains de banlieue jusqu'à Sainte-Julie. Le grand déblocage, c'est une vraie solution pour Montréal. Le grand déblocage, c'est une solution pour le Grand Montréal.